Effectivement, vous êtes là, par ici, donc effectivement, vous soit on part vers l'arrière, soit on se place, soit on part vers l'avant, ça dépend de la distance dans laquelle vous êtes. Si à la fin, vous êtes par ici, vous êtes beaucoup trop près, d'accord? C'est pas bon, ne frappe pas avec ces parties latérales. Débrouillez-vous, soit ici, hop, et comme ça, d'accord? Pour chercher la bonne distance des frappes, il se trouve ici. C'est pas bon, parce que je vais beaucoup trop loin vers l'avant, ok? Et je ne suis pas stable derrière. Donc moi j'aime bien qu'on est là, donc hop, voilà, lâchez-vous, d'accord? Même si je suis un peu trop près, hop, mais j'ai encore, je suis toujours stable ici, d'accord? J'ai toujours les deux pieds au sol, et les deux talons sont au sol, si possible. Et là, là, cette fois-ci, je vais frapper, ou je vais ramener son épée avec ma fausse lame. D'accord? Tout à l'heure, c'était une vraie parade. C'était la vraie lame. Là, c'est la fausse lame. Et je reviens aussitôt. Ok? Donc, je suis là. Et stop. Voilà, son croisé. Hop, on est par ici. Hop. Et donc, moi, j'ai faire une espèce de demi-lune. Waouh! Avec les vrais tranchants. Ok? Ici, sur le pied, et un peu vers l'avant. Hop, là, il va aller dans le sol. Et moi, je vais le choper avec le faux tranchant vers l'arrière. D'accord? On va encore faire deux fois. Et pour la garde, on fait deux. Donc, très bien. Je sais, c'est le stock qui va venir. Hop, ça. Hop, et là, c'est. Je sais que c'est un coup qui va venir. D'accord? Très simple. Merci à toi.